Salut à tous, c'est Diego Har. On se retrouve pour la suite de ce let's play de Half-Life. Et vous vous souvenez peut-être que dans les premières vidéos, je vous avais dit qu'il y avait un ennemi que j'aimais le moins, que je détestais le plus plutôt. Et ben le son d'ambiance me dit qu'on va le retrouver dans 2 secondes. Sauf que là je vais pas faire un devant, un derrière, franchement merci. Oh non, mais je recommence de là. Je veux dire, c'est pas vrai. Ils sont comme paralysés. Eux aussi sont aussi étonnés que je recommence de là que moi. Donc il y avait un ennemi que je détestais le plus. Et ceci, je vais pas faire la même erreur que j'ai fait la première fois, c'est-à-dire de l'affronter, sauf que je vais me tirer tout de suite. Vous êtes Gordon Freeman, n'est-ce pas? Grâce au marqueur de votre combinaison, nous avons pu suivre votre progression. Les militaires aussi, malheureusement. Le problème, c'est que sans votre combinaison, vous seriez probablement déjà mort. Bon, écoutez, le meilleur moyen d'atteindre le complexe Lambda, c'est de passer par les anciennes zones industrielles. Le système de sécurité y est un véritable gruyère. La preuve, j'en viens. Voilà, donc on doit aller à la zone lambda pour rejoindre des scientifiques. Mais comment elle a fait pour me viser aussi rapidement? Ah, mais c'est même pas la peine de l'éviter celui-là. Ouais, donc je disais, il y aura les ennemis que je déteste le plus. Mais non, pas ça. Ah ouais, là ils vont nous refaire les coups des... Ouf, il m'a fait peur celui-là. On en sort bien. Donc celui-là on va... Donc les ennemis que j'ai le plus énorme, c'est les espèces de soldats invisibles. Je sais plus comment ils appellent ça. Et qui nous tire dessus avec une précision du diable. J'ai un message pour vous. Attention à ne pas. Ouais, attention à ne pas. Je vais prendre ce conseil. Donc on sait jamais où ils sont. On entend leur pas, c'est tout ce qu'on sait. Voilà. Hémorragie détectée. Regarde-moi ça. On le voit pas du tout. Oh là là. Il nous tue en 2 secondes. Oh mais pff, je rêve. Je rêve. Pas de checkpoint pendant tout ce temps alors qu'on est obligé de tuer les connards là. Vous êtes Gordon Freeman, n'est-ce pas? Grâce au marqueur de votre combinaison, nous avons pu suivre votre progression. Ça va mieux. C'est pas vrai. Qu'il puisse nous barrer le passage, aussi petit soit-il. Bon, on va essayer d'aller jusqu'au prochain checkpoint. Je crois que je vais arrêter là parce que... Enfin, je vais arrêter là pour cette session où j'enregistre. J'ai un message pour vous. Attention à ne pas... Je sais pas trop ce qu'il a lui.
il crache du sang, peut-être qu'il a eu une crise cardiaque comme le chef du DARPA. Hein. On va foncer, faut aller en haut, je m'en souviens. Putain. Allez, vite. Vite, avant qu'ils arrivent. Vite, merde, c'est par là. Non, c'est par où? Je sais plus. Tout droit. Non. C'est pas vrai, putain. Il était juste devant moi. Mais qu'est-ce que ça a ouvert? Je sais plus. Ça? Je crois. Ouais, voilà, ça. Bon, on s'est pris un coup de... Je sais pas, de baramine peut-être, qui sait, sur la tête. Et on se fait prendre donc par des marines. Où est-ce qu'on emmène ce Freeman? En haut pour interrogatoire. Pourquoi faire? Pourquoi le tue pas tout de suite? Et si on trouve le cadavre? Un cadavre? Quel cadavre? C'est bon vieux marine. Quel cadavre? Bref. Alors là, on se retrouve dans un compresseur qu'on va se tirer de là par derrière le compresseur. Non, faut monter. Et ensuite, faut aller par derrière. Quand est-ce qu'on récupère notre crowbar? Je ne sais plus du tout. Peu importe. Il est pas en bas? Non. Bah si, on est obligé de la récupérer ici, sinon... Ah, voilà. Toujours une à disposition. Hein. Ouh. J'ai cru que j'allais me scratcher, mais non. Là, des nouveaux environnements, ça fait un peu plus rafraîchissant que les crabes qui reviennent toujours du ciel. Il pleut des crabes, des head crabs. Par contre, faut que je me dépêche, sinon on va se scratcher. Bon bah je me suis quand même scratché. Ça c'est vraiment insupportable. On soit obligé de se dépêcher comme ça. Et on repart à l'intérieur du centre. Il ressort, non? Voilà, il fait quoi? Et lui, il retourne, c'est bon? C'est bon. Bon, où est-ce qu'on voit? Où est-ce qu'on... Si je me souviens bien, il y a un peu de plateforme dans ce passage. D'ailleurs, en voici un peu. Hop. C'est parti. En route vers le centre lambda avec 8 HP et 6 armor, 6 points d'armure. Non, c'est bon, j'ai juste perdu un peu d'armure. Hop. Mais qu'est-ce qui m'a touché? Y'a rien du tout ici. J'ai perdu toute mon armure. Le prochain est passé, c'est moi. C'est bon. Bon, j'arrive au prochain chargement. Voilà. Et je m'arrête là. C'était Diego Ar, et je vous dis à la prochaine.